is in the back with a pocket of heart. If you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et puis laissez-moi vous présenter mes vœux pour cette année 2020 qui s'annonce, en espérant que cette année 2019 vous aura réussi. Pour cette nouvelle vidéo, on a deux voitures et ça c'est assez exceptionnel. Donc on a Michel, salut à toi. Salut. Et Cédric. Bonjour à tous. Alors voilà, deux voitures un petit peu différentes, mais dans le fond qui ont des performances assez similaires, hein. Exactement. Alors on va commencer peut-être avec la BMW Z4. Allez, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est un 6 cylindres. Oui, c'est un 6 cylindres, effectivement, 3 litres, qui développe 343 chevaux, donc 23 chevaux fiscaux, hein, pour au cas où, si jamais il y en a qui sont intéressés, pour te payer la vignette. Voilà. Et donc, ben voilà, qu'est-ce que je dise de beau particulièrement. Bon, ancien client de chez Lotus, j'ai voulu opter pour un 6 cylindres parce que c'est quelque chose qui me tannait. J'avais envie d'avoir un 6 cylindres. Malheureusement, le 6 cylindres Lotus était un peu cher pour moi, donc j'ai opté pour ce qui était à ma portée et ce qui représentait pour moi une auto assez sympa, entre autres la BMW Z4. Et franchement, je ne regrette pas cet achat. C'est une super, super, super auto. Alors, c'est drôle qu'on parle de Lotus parce que justement, on en a une, celle de Cédric. Et alors, parle-nous un peu de la tienne du coup. Alors là, c'est une Lotus Evora S de 2014 en boîte automatique. Donc c'est un V6 3,5 litres avec un compresseur. Ça fait 350 chevaux. Je crois que c'est 400 Nm de couple, si je ne dis pas des bêtises. Il y en a plus sur la BM avec les deux turbos. Pour une tonne et demie, je pense, ça avait le plein. Donc pareil, comme Michel, un ancien de chez Lotus, Elise S1, Elise S2, Europa S, plus rare. Et donc je sais pas si c'est... Enfin, allez, on va le dire, c'est l'âge aidant, le besoin de confort et l'envie d'avoir un peu plus de confort et d'équipement m'a amené vers l'Evora, voilà. Donc toi du coup t'es resté fidèle à Lotus. J'ai essayé de rester fidèle à Lotus, c'est pas facile parce que effectivement, bon, déjà il y a, comme disait Michel, il y a peut-être un effort financier par rapport à certaines marques, mais surtout c'est pas facile à trouver, quoi. Il nous a fallu 8 mois à peu près, 8 mois pour la trouver, et c'est pas... Elle a le millésime que je souhaitais, elle a la finition que je souhaitais. Si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être pris une couleur un peu plus flashy ou quelque chose un peu plus sympathique que les gris. Mais bon, trouver le modèle, c'était déjà compliqué. Alors avoir du choix dans la couleur, je crois que c'est quasiment impossible. C'est sûr qu'après aussi, il y a la concurrence qui offre pas mal de choses. On a vu avec la BMW. Le Boxster et Cayman qui peuvent venir aussi sur le même marché avec là. Par contre, beaucoup de choix. C'était quelque chose moi qui me tentait et qui me tentera peut-être ultérieurement. Pour un premier 6 cylindres, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir choisi cette Z4 qui, entre parenthèses, a été dessinée par deux ingénieurs femmes, qui lui donne donc une esthétique un petit peu particulière, parce que moi je suis pas fondamentalement BM, même pas du tout pour ainsi dire. Je trouve que c'est des lignes jolies mais austères au niveau de l'habitacle, et là on a un habitacle qui est plutôt sympa, une ligne qui est propre à ce Z4. Voilà. Et puis bon, au niveau données techniques, comme Cédric le précisait sur la Lotus, on a un biturbo avec 450 Nm de couple, avec un overdrive à 500 Nm. Et puis voilà quoi. Bon, après ça donne. Si, ça part comme une balle, voilà. Ouais, ça donne un confort de conduite. Il y en a sous la pédale, on peut dire qu'effectivement, avec une boîte dégagée, cet rapport qui est quand même vraiment fantastique, cette boîte intelligente. Si on roule en mode auto, qu'on met la pédale dedans pour avoir un petit peu de réponse, la voiture elle tombe automatiquement ses 3-4 rapports en fonction de la pression qu'on met sur la pédale, et ça part vraiment de manière phénoménale. C'est extraordinaire pour ça. Comme on en discutait tout à l'heure avec Cédric, c'est un véhicule qui, de par cette réserve de puissance,
donne un confort de conduite vraiment sympa, quoi, parce que voilà, on peut rouler sur le fil et puis d'un coup se doubler un véhicule gênant, et ça, c'est extraordinaire. Beaucoup moins poussif. Alors bien entendu différent, parce qu'une Lotus comme nous avions avant, enfin comme j'avais avant, ça se conduit dans les tours et c'est là qu'on se régale. Sinon il n'y a pas de couple, voilà, ça reste un petit peu là. Dès 1500 tours on a tout le couple et ça c'est carrément une tuerie, quoi. Alors d'un côté 340 chevaux à biturbo, mmh, et de l'autre 350 à compresseur. C'est ça. Ça annonce un match serré. Selon vous, c'est quoi qui va départager ces voitures du coup? Je pense que le châssis Lotus, bien entendu, est un supplément positif pour sa tenue de route, parce que bon, les châssis Lotus sont réputés. C'est peut-être une voiture qui est un peu plus légère aussi par rapport à la BM, donc forcément un meilleur châssis plus un poids moindre donne un résultat plutôt sympa. Maintenant, la BM avec son pack M est équipée de suspension pilotée. Donc, quand on se met en mode Sport Plus, on sent bien la réponse dans la dureté des amortisseurs, dans la pédale. Bon, l'autre jour, j'ai eu l'occasion de rouler un peu avec sur circuit. Alors, bien entendu, je ne l'ai pas malmené comme je pouvais faire avec la Lotus qui était équipée de manière plus compétition, on va dire, sur le circuit. Mais j'ai quand même pris du plaisir et donner un peu de fil à retordre à certains qui essayaient de me doubler. Ça fait déjà plaisir. Ouais. Donc voilà, ça donne effectivement déjà un résultat qui est pas mal. Alors on va dire, c'est pas une voiture faite pour ça, peut-être, à moins d'y apporter quelques modifications au niveau du freinage, parce que malheureusement, on a un freinage qui est un peu faible, qui n'est pas endurant en fait. Il y a vraiment du mordant sur ce freinage, mais aucune endurance. Voilà. Donc si on commence à attaquer un peu, ça sent vite le chaud. Voilà. Il faut faire quelques modifications, je pense, au niveau du freinage. Au niveau peut-être de la monte pneumatique aussi, on a des pneus run flat d'origine. Alors, de ce que j'ai pu en lire sur certains forums, avoir une monte pneumatique différente des run flat donne déjà plus de rendu au niveau agressivité, on va dire. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose que dans un court temps j'essayerai de faire, tout en gardant bien entendu la monte d'origine pour le contrôle technique. Quant à toi, les mois, elle est plutôt typée piste d'origine? Bon, pour le moment je sais pas, ouais. Parce que c'est tout récent, hein, encore. C'est ça, c'est le deuxième jour, quoi, c'est la deuxième journée de conduite, on va dire. Non, mais d'une manière générale, je pense que effectivement la Lotus est sûrement typée un peu plus sport dans son réglage châssis, son développement. Par contre, la technologie parle pour l'allemande, et quand Michel a une boîte DKG à 7 rapports, bon, c'est plus une traditionnelle boîte automatique à 6 rapports, donc. Même s'il y a moins de poids, ne serait-ce que le temps de tomber le rapport, je pense que Michel devrait pouvoir reprendre un peu d'avance si on était sur les circuits. Puis voilà, il a la suspension adaptative, c'est pas du tout la technologie qui est embarquée dans cette Lotus. Là, ils sont un peu largués, les Anglais, pour le moment. C'est pas les mêmes budgets. C'est sûr. Après, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Mais ça reste un match très équilibré dans l'ensemble. Ouais, je pense qu'en termes de performance, en tout cas, oui. En termes de philosophie, c'est un peu différent. Mais en termes de performance, je pense qu'effectivement, ça doit être assez serré. Bah écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ça. Avec plaisir. Comme ça, on va pouvoir les départager. Ah, mais ma foi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Yeah.
Alors voilà, c'est ici au moulin de Daudet que nous avons terminé cette petite vidéo. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? On a vu que l'Evora était quand même agile en courbe. Et là, la BMW qui se débrouille pas mal aussi, hein, faut Oui, reconnaître. bah, de toute façon, voilà, je pense qu'on a deux bonnes autos avec des belles performances, de plaisir pratiquement similaires, si ce n'est qu'effectivement on a des catégories différentes. Voilà. La petite BM a la petite option du décapotable, chose que quand même on va mettre à profit au beau jour, voilà, à la différence de la Lotus qui fait fourneau. Mais sur cette fin de journée pluvieuse, je pense que le fourneau vaut mieux que la terrasse ouverte de la BM. Ah, c'est bien vu, mon cher ami. C'est vrai, là il n'a pas tort, il marque un point. Quoique, avec un tard et une douceur telle à l'orée de Noël, franchement, on n'a pas à se plaindre. Hein. Après, les Anglais, même par ce temps, ils roulent des capotés. Oui, mais les Anglaises, même fermées, prennent l'eau. Oui. Voilà. Puis les Anglais, c'est les Anglais. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, la BMW marquera aussi un point. Le point de la quand météo, même. Allez. Et de l'étanchéité. Voilà, je pense que c'est sur cette belle révélation qu'on va terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous les gars, aussi, merci merci à vous. Beaucoup à merci toi d'avoir fait ce pour petit cette journée reportage. Dans les Alpilles. Et voilà, une belle découverte de notre patrimoine régional. Wow, nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez bien. Ciao, ciao! Ciao. Moi j'ai la voix d'un rocker. Ok, drôle, j'ai assez d'essai dans la voiture si tu veux. Oh yeah! Et le concert est en goût. Non, non.